Salut, station fréquence, et l'émotion de presse 51 vous tous de la part de Dandy 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Ouais, les 73 Daniel, c'est moi. Voilà, je suis coincé à la sortie 26. Alors la sortie 26, c'est la sortie, la sortie Libourne, c'est-à-dire pour attraper la voie rapide. C'est la. Bah si, je crois que c'est la N89. Non mais n'importe quoi, je sais plus où je roule. Ouais. Ah, j'en suis pas loin. J'en suis vraiment pas loin, mais bon. En plus là, je vois de marquer sur les panneaux lumineux aéroport 1h. Waouh. Heureusement que je prends pas l'aéroport. Et l'itinéraire que m'en montre le GPS, je suis pas trop d'accord non plus. Parce que lui, il veut me faire prendre la direction de Satellite Cul-de-sac pour tourner après sur les petites routes. Ah oui, ok. Oh là là. Attends, j'ai un peu de QRM là dans le secteur, là c'est pas le top. Au bordel, ça marche bien. Ouais, ok, ouais. Putain, je vois pas bien, mais je crois que c'est du 43 ou un truc comme ça de mon côté là. Putain la vache, là je t'ai un peu perdu. J'ai pas compris. Hein. Bon, on est pas mal sur le 19, ça montre qu'il y a de l'activité. Ouais ouais, au contraire. Au contraire, comme ça, s'il y a des stations là en écoute, sur la route justement, ça leur fera plaisir de voir que ben, si quand même, hein, malgré tout, c'est actif. On y est. Ok, alors d'après ce que tu m'as expliqué là pour le radio guidage, enfin ce que tu m'as dit, je veux dire, vaut mieux que je prenne par les quais de bassin, c'est remonter tout droit, c'est ça? Oui, voilà, oui, ouais, autrement dit, après la gendarmerie, j'attrape la côte de la jetée, je descends sur les quais de Bassins. Et là, à droite, et je remonte tout droit. C'est ça? Non mais là le GPS, moi il me demande des conneries parce que si je l'écoute, c'est pas compliqué, je prends la direction de Satellite Cul-de-sac. C'est pas du tout ça. Hein. Attends, là je suis en train de te perdre un petit peu, là je suis dans le trou là, de la station essence. Je te rappelle dans quelques instants. Bon, je sais pas si tu l'as entendu. Oh, j'ai zappé 40. Il y a Daniel qui t'a envoyé là, les bosses en 1351 là, depuis le bec d'Ambès là-bas au fond là.
Daniel, pour le moment, j'entends que tes Roger bip. Mais là, de mon côté, là, j'ai aperçu une grosse fumée, là, montée dans le ciel. Là, il doit y avoir un incendie, quelque chose comme ça, là. Et ben oui, j'ai la police là, qui arrive de tous les côtés. J'espère, putain, mais là, c'est pas gagné, là. Pourtant, je suis parti largement en avance, mais hachi, je crois que je vais peut-être avoir besoin de l'aide d'un hélicoptère. Bon, je suis en plein au niveau de la station totale. On avance vraiment au ralenti. Hein. Le mille pattes, tu es toujours là? Bon, pas de réponse, j'espère que tout va bien de ton côté. On dit toujours pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais vu la fumée que j'ai aperçue au loin, j'espère que c'est pas toi, gros. Ah la vache, ça sent le carbonisé. Hein. T'es toujours là, Daniel? Ok, bon, je suis toujours là, mal placé. Ouais, il y a une voiture qui a pris feu, là, aussitôt après la station totale. Elle est complètement carbonisée, là, sur la droite. Hein. Ok, bon, voilà, je suis en train d'attraper la bretelle d'accès là, vers le pont d'Aquitaine pour pouvoir attraper après la côte de la GT. C'est bien ça, Daniel? Ah oui, tout à fait, je pense que par la GT. Hein. Voilà, donc si tu arrêtes de par la GT, que tu es en vue de la côte de la GT, tu prends la direction de la GT. Ok. Surtout que d'après le GPS, vu les emmerdes qu'il y a sur la route, pour le coup, je suis arrivé à la bourre. Tu m'étonnes. Ouais, ouais, non, mais toi, comme quoi, hein, les GPS, faut pas trop les écouter. Rien de tel que les radioguidages. Voilà, bon, je vais te perdre à nouveau un peu parce que là, je vais arriver là. J'arrive dans la descente de la côte de la GT. Ok, bah toi malgré tout, t'as quand même réussi à passer, là je suis bientôt dégagé. Hein. Ok, je me méfie en bas. Et tu restes toujours tout droit, tu vois rien parce que ça a pas mal de nos dames dans le Louis de Montferrand. Ok, bah justement, tu vois, là je suis en train de longer là, les bassins à flot. Oui, ok, mais c'est pas ça à gauche de la Garonne, mais à droite sur les DPA, mais tu as toutes les usines et tout ça, mais dans les ronds-points, mais tu vas toujours tout droit. Hein. Tu vas toujours en face et tu suis au bec d'embête. Dans les DPA, le bec d'embête. Ici, zone industrielle du Bambin, c'est Saint-Louis de Montferrand, et voilà, donc tu suis tout le temps cette direction-là. Ok, bah, ok, voilà, je suis sur la bonne route.
Eh bien, on dirait que tu vois le GPS là, et maintenant que que tu m'as mis sur la bonne route, ben, tu m'étonnes, le GPS il est d'accord maintenant. Oui, attention parce qu'il peut te faire passer aussi par la voie rapide, hein, oui. Et il risque de te faire passer par la voie rapide. Mais la voie rapide, bon, c'est un peu plus long. Hein. Que là, en long de la Garonne, c'est plus direct. Hein. Ok, je viens de passer là à côté d'une maison, tout illuminé et tout, hein. Je sais pas si t'as vu ça ce matin. Oui, par contre, tu fais regarde à un moment donné là sur DPA, là, STBA, tout ça là, t'as une. T'es pas en train de faire le coup de me faire traverser la Garonne, toi, des fois. C'est plus un raid de guidage, c'est un raid de bitage. Ok, ouais, j'ai le micro du bon côté. Voilà, ouais, je suis en train de cogner là les ronds-points là, qu'il y a là. Là, t'as même pas là. Bah ouais. Donc là, effectivement, là, sur le GPS, qu'est-ce que je vois, 18h40 là maintenant. Mais ok, je continue à ne pas l'écouter et je continue tout droit comme tu me le dis, quoi. Voilà, hein. À un moment donné, tu verras du Beckham-Best sur la droite, et quand tu restes sur Saint-Louis de Montferrat, tu vas toujours tout droit, tu longes la Garonne sur ta gauche. Ok, surtout que de ce côté-là, je ne connais pas du tout. Hein. Voilà, et comme je t'ai dit, à un moment donné, de toute façon, tu vas arriver, c'est marqué, tu as le panneau Orion, tu verras, il nous a rien, mais ça se dit, Orion, on le lit. Hein. D'accord, bon, je suis pas encore rendu là. Hein. Arrivé là, ça. Mais bon, si. C'est pareil là, tu feras un gaffe, comme je te disais, dans le salon de Montserrat, tout ça là. De Dodan. Hein. Par contre, là, je l'ai pas entendu là, ça fait 2 ans et je l'ai pas entendu. Hein. Beltoise, je crois que maintenant il est plus en BLU. Il est plus en supérieur. Pas de réponse. Eh oui, ça c'est dommage. Hein. Ouais, parce que là, disons, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de stations fixes. La plupart, la grosse majorité, qui ont déserté l'AM pour aller en BLU. Oui, aussi, il y a ça, c'est ironique. Donc, bon. Ta projection. Ah ben j'arrive au rond-point que tu m'as dit justement, et ben tiens voilà, là il me dit à droite, je continue tout droit. Voilà, donc ok, donc là tu vas toujours tout droit là, donc là tu vas passer par le petit village de Saint-Louis-de-Montferrand et tout ça là. Calcule ta nouvelle itinéraire. Oui, à droite c'est la voie rapide et toi tu restes sur la gauche, hein, longe la Garonne. Hein. Ouais, ouais, ben voilà, c'est fait. Ok, bon, mais là, Renaud, je ne sais pas calculer combien il y avait, mais il y a quelques bornes hein, quand même pour arriver jusqu'à là. Je pense qu'il y a 4 ou 5 km. Hein. Ouais, puis là, je vois, il m'affiche 18h44. Bon, le temps d'arriver, ouais, ça va faire de 18h40. Bah, oui, largement, oui, je pense que. Là, il n'y a pas de problème, là. Ok, putain ouais, je longe vraiment la flotte là ici. Hein. Par rapport à niveau, mais là je vais mettre un point à partir. Ok.
bon, j'ai croisé deux voitures, j'en vois une autre qui arrive à l'horizon, je crois, non, je sais pas, peut-être. Ah bah tiens, salut de Montferrand, voilà. Ah ouais, ben tu continues toujours tout droit là, c'est pas. Comme je te disais, là t'as pas mal de dodonnes là. Hein. Ouais, je vois le premier arriver déjà. Tu m'entends pas un peu fort là, des fois là? Ah, oh, tu me fais du 85. Ouais, bah oui. Un peu plus, un peu plus. Je vais baisser un peu la réception, vas-y, parle. Non, mais c'est bon, ok, voilà, j'ai la caméra de braquet dessus, donc là, je vais pouvoir filmer là, combien tu m'arrives. Ah, ouais, d'accord, ok, là, moi, je viens de baisser la réception, on est de mon côté, vas-y, là, donc, je sais pas, je vais mélanger après ton retour, ouais, parce que là, comme tu vas arriver de plus en plus fort, donc c'est pour ça, là, je vais la réception à midi, là, hein. Non, non, mais je vais couper la petite boîte magique. Ah, mais t'as pas besoin de la boîte magique, là. Voilà, ça y est. Ouais, ouais, voilà, ça y est. Hein. Ah oui, effectivement, ça a bien descendu là. Hein. Ben voilà, j'ai coupé, j'ai remonté au niveau du poste. Ah ouais, ben là tu dois faire du 6.1. 6.1, toujours radio, c'est de la radio. D'accord. Ah ben oui, voilà, Saint-Lune Montferrand, tout droit. Ah ben j'y suis dans Saint-Lune. Eh ben il est con ce truc. Je suis en plein centre de Saint-Louis-de-Montferrand et ils me montrent un panneau direction Saint-Louis-de-Montferrand. Et ils n'ont pas tout compris par ici, quoi. Non, non, mieux que ça, c'est un panneau qu'il y a ici, là. Oui, oui, je sais, oui, ça va. Oui, mais ça, c'est un deux panneaux de Saint-Louis-de-Montferrand. Ça y est, là, c'est Saint-Louis-de-Montferrand. Le premier, c'est parti, et tu vois, rentre dans Saint-Louis-de-Montferrand. Ok, bon ben voilà, je fais tout droit. Putain, je viens de croiser une voiture, j'ai l'impression que lui, c'est la première fois qu'il voit une voiture passer par là, il a bien fait une grille à la priorité, le con. Chi. Ah ouais, non, mais ouais, il faut faire gaffe, hein. Il faut faire gaffe, là, par cette route, hein, parce que t'as des fous furieux, là, hein. T'as vu, là, t'as passé tous les dodanes. Bah justement là, tu vois, là, je suis en plein dedans, là. Voilà, je viens de sortir, là, des dodanes, du moins. Ah non, mais il y en a encore un. Je croyais que je les avais tous passés, puis en fin de compte, non. Avec le Duster, j'ai l'impression d'être sur un trampoline. Ah, chi. Ok. Oui, de toute façon, là, après, comme je te le dis, là, comme je te disais, Rémi, quand tu vas avoir ta TSCBA, tout ça, tu vas encore tomber sur un rond-point, et là, c'est pareil. Bon, là, tu vas le contourner, le rond-point, aller sur la gauche, continuer, direction zone industrielle, de Terre-Bête. Donc, tu vas toujours tout droit. Hein. Ok. Alors, ah ben tiens, voilà, j'ai le panneau de vin devant moi, sorti de Saint-Louis-de-Montferrand. Ok, d'accord, voilà. Bon, ben là, tu vas toujours tout droit, et donc, comme je te disais, à un moment donné, tu vas tomber sur un rond-point, ben ça t'envoie, si tu vas à droite, sur la voie rapide, et ben toi, tu vas toujours tout droit, et donc tu t'en vas dans le rond-point. Ouais, parce que je vois sur le GPS, 6 km 8, prendre à droite, et moi, donc, ok, je continue tout droit. Alors toi tu restes tout droit, hein. tu vas toujours tout droit.
Eh mais attends, il y a deux Saint-Louis de Montferrand, puisque je repasse à nouveau le panneau d'entrée, et pourtant j'ai pas retourné en rond. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu rentres, tu sors, et tu re-rentres. Ah bah oui, et puis je ressors à nouveau, parce que j'ai déjà le panneau de sortie. Ah si, c'est une blague qui nous font, quoi. Non, non, c'est comme ça. Ah bah je devine bien. Ah, ils avaient des flics à dépenser. Bah ben ouais, faut croire, hein. Bon, Tamar à Canard, je l'ai pas encore traversé, je sais pas où aller. Ah mais t'inquiète pas, continue, tu vas la sentir quand tu vas y arriver. Ah ouais, tiens, 18h36 heure d'arrivée, toi, là, c'est encore raccourci, quoi. Ah ouais, non, mais je te dis, alors qu'il est là, tu vas bien rouler, là, et en passant par là, tu gagnes du temps, hein. C'est plus rapide que si tu avais pris la voie rapide. Ok, oui, le break. En avant, le break. Bon, il y a quelqu'un qui a voulu nous montrer qu'il y avait du monde aussi sur le 19. Ah, j'ai pas entendu le break. Oui, le break 73, Daniel Santor, sur le break d'Ambès, là. Ah, il nous a fait des coups de pédale de micro derrière. Bah, j'ai pas eu que ça, là, donc je sais pas du tout, Rami, là, j'ai pas entendu. Ok, voilà, ça va, toi, toujours, là. Ouais, je vais bien, tout va bien. Ok. Oui, de toute façon, après les Saint-Louis de Montferrand, tout ça, là, tu vas tomber sur les DPA, tout ça, là, tous les docks pétroliers, tout ça, là, Rémi, sur ta droite. Ok, j'ai comme dans l'idée que je suis en train de longer la flotte, là. Oui, c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. ne t'énerve pas, Damien. C'est pas bon pour ton cœur. Ah, je t'en fous, c'est bien comme ça, y est. Je fais gaffe quand même qu'il n'y ait pas de mecs dedans qui veulent sortir parce qu'avec les voitures surtout. En principe, non, je sais pas. Non, je crois qu'il est ressorti le gars. Il y avait un gars qui est rentré tout à l'heure à sa voiture, mais je crois qu'il est ressorti. De toute façon, s'il arrive, je vais le voir arriver avec des feux, tout ça, là, je. Voilà quoi. Donc, ok. Oui. Donc là, oui, normalement, là, après Saint-Louis de Montferrand, tout ça, là, comme je t'ai dit, là, en allant toujours tout droit, tu vas passer la centrale thermique, après l'ancienne centrale thermique sur la droite, là, et passer tous les docks pétroliers, tout ça. Ok, d'accord. Ouais, je vois 3,7 km prendre à droite. C'est là où je dois continuer tout droit une fois de plus. Là, tu continues toujours tout droit. Tu t'occupes pas des panneaux qui s'en vont à droite, là. Toi, tu restes sur ta gauche. Bon, de toute façon, à un moment donné, tu seras obligé de suivre la route en remontant vers la droite. Mais pour contourner le rond-point, reprendre le long de la Garonne, hein, à gauche. Putain, mais il y a du brouillard par ici, quoi. Ah, d'accord, oui. Bon, ben écoute, merci de me l'avoir dit. Ben oui, je remets les pleins phares, puis je m'aperçois que c'est pas bon. Ah, c'est tout léger, hein. Ouais, c'est de la brume. Ah, ben là, imagine qu'à l'époque, je venais bosser, là, tu verras, quand tu vas arriver, l'usine qui est juste à côté, je faisais ça d'un bord d'eau. De Bacalan jusqu'ici en vélo, hein. Eh, hey, je crois qu'il y a un bateau à côté de moi, là, dans l'autre sens. Ah, donc il y a des butadiennes, alors, butadiennes ou du céréal, hein. Ah oui, j'ai vu des éclairages, là, sur ma gauche, je me suis dit, putain, mais il n'y a pas de route, là. Ah ouais, non, mais donc il doit y avoir de... Il y a des arrivages de pétrole. Impossible, putain, mais il faut vraiment connaître par ici, hein. Ah ouais, voilà. Donc, tu vois, de toute façon, tu verras l'ancienne centrale électrique, tu verras sur la droite, c'est bleu. Ça te fait un grand parking et puis c'est éclairé, la façade, et c'est bleu. Putain, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est en noir et blanc, moi. Ouais, quoi, tu fais du film vintage, là? Non, non. Non, non, mais avec le brouillard, l'obscurité, c'est moyen, quoi. Ok, d'accord, oui. Bon, ben là, de toute façon, là, tu dois pas être bien loin, là. De toute façon, quelle heure il est, là? 18h28, ouais, normalement, dans 7 minutes, tu es là, à peine, hein.
Ok, à un moment donné, il ne faudra pas que je tourne à droite, moi. Oui, parce que si tu oublies de tourner à droite, mon grand, tu seras obligé de faire demi-tour au bout là-bas. Hein. Surtout que là, je ne sais pas du tout où tourner. Ah non, non, mais de toute façon, je continue. Ah, j'ai l'abruti tellement content d'être sur la route qu'il est resté en plein phare là devant moi, quoi. Mais il est devant toi et il te précède. Non, ça y est, j'ai la piscine. Ah ben je suis content. J'ai pris la douche tout à l'heure, maintenant j'ai le droit à prendre un bain. Voilà. Ouais, tu fais gaffe parce que tu te sers à gauche, hein. Il n'y a pas de voiture qui arrive et tu te sers sur la gauche. Sur la gauche, d'accord. Ouais, c'est là qu'il y a le moins doux. Je suis même arrêté pour admirer le paysage. Ouais, mais t'arrêtes pas trop parce que la voiture elle va couler. Hein. Je serais curieux de voir ça. Gars. Bon, mais là t'es à peu près à 2,5 km là. T'es à 2,5 km en gros là de Koffra. Ok, donc ça veut dire que faudra que je tourne avant ou pas? Non, tu continues toujours tout droit, là. Après tu verras, après le DF, là tout ça, tu continues, puisque là tu as passé les docks pétroliers, tu vas tomber sur le rond-point, là, comme je te disais, donc tu es obligé de partir légèrement à droite pour contourner le rond-point sur la gauche, prendre zone industrielle du bec d'Ambès. Hein. Trop d'infos, tu l'info. Ouais, d'accord. J'ai malgré tout remis un peu quand même. Il me dit de tourner à droite et moi je continue tout droit, c'est ça? Voilà, tu continues tout droit. Parce que là, il t'envoie après lui sur la voie rapide là-bas. Toi, tu vas comme je t'ai dit, tu vas tomber sur le rond-point là. Genre de bifurcation, tu t'en vas sur la gauche. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, c'est qu'il me demande de faire le tour du rond-point. Et ok, d'accord. Voilà, oui, donc tu contournes sur la gauche là et tu continues là. Donc là, t'es pas très loin là après. Hein. Ouais, bec d'Ambès, ok, voilà, d'accord, ok, voilà, départemental 10. Voilà, donc là tu restes sur cette route là, j'ai baissé la puissance, René, là. Ah, mais c'est pas la peine, t'as quoi, tu dois avoir 15 watts là. Ouais, mais ça fait rien, j'ai baissé la puissance de toute façon, et la réception comme ça au moins, quand tu vas te rapprocher de plus en plus, ça sera moins fort pour toi surtout. Non, ça sert à... Bon. Non, mais c'est bon. Hey, il me dit que là où je suis, j'ai atteint ma destination déjà, quoi. Non, oui, non, mais pour lui, oui. Non, mais continue. Quelle naze. De toute façon, normalement, si tu es en plein fort, je vais voir tes phares, hein. Il est en train de calculer un nouvel itinéraire. Voilà, tu restes le long de la Garonne, là. Tu longes la Garonne. Ouais, bah tu vois, malgré tout, je suis quand même bien content de t'avoir en fréquence parce que là, je vois pas trop où c'est que Orion. Ah, j'ai vu le panneau Orion. Ok, je fais des appels de phare, je sais pas si tu vois, mais je te vois. Ok, je vois tes phares là, sur la gauche. Continue, je te fais appel de phare là, tu vois, regarde. Continue, voilà, est-ce que tu vois les phares? Voilà, au stop là, tu tournes à droite là, voilà. Tourne à droite là, continue, à droite, continue, un peu là, hop là, avance, voilà, tu prends la route là, voilà, c'est bon. Ok, merci pour ce radio guidage, là c'était vraiment excellent. C'est parce que c'est vrai que là avec le GPS, eh bien, y en a qui l'écoutent un peu trop à la lettre. Du coup, ça part en sucette, ça crée des accidents et tout, comme j'ai pu le voir là encore là ces jours-ci. Et là, eh bien, j'arrive à bon port. Ok, bon allez, je coupe tout. Ok, moi aussi.